vit dans une ville de province, à 6 km de Caen. Et là, tout le monde en pince pour faire des petits cancans. Ainsi, la semaine dernière, on a vu, ça c'est très laid, Madelon, la vieille laitière, mettre de l'eau dans son lait. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. On a vu un petit jeune homme dont chacun murmure le nom, qui cueillait de jolies pommes dans le jardin de la Toinon. On a vu le jour de Saint-Pierre le sous-chef de l'Orphéon embrasser la boulangère sur le derrière, derrière de sa maison. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. Au lavoir, la grande Élise a dit qu'on avait volé la grosse cloche de l'église. Pensez si ça fit parler. Pépin, le marchand de galoches, a dit que c'était le bedeau qu'avait barboté la cloche pour la mettre après son vélo. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. Si dans cette petite ville, l'un de vous passe par hasard, à pied, en automobile, à cheval ou en sidecar, prenez bien garde à tout le monde, car si vous faites ci ou ça, à quatre lieues à la ronde, on le répète, on le répète, on le répétera. Le pharmacien dira à la bouchère, et la bouchère le dira au cantonnier. Le cantonnier le dira à monsieur le maire, et monsieur le maire le dira au charcutier. Au charcutier le dira au chef de gare, le chef de gare le dira au père Thomas. Le père Thomas le dira à la fanfare, et le lendemain tout le pays le saura.